Et salut tout le monde, ici le Ch'ti Player et bienvenue dans le 10e épisode du Let's Play de Ratchet & Clank sur PlayStation 2. Bon, alors nous sommes de retour, donc vous voyez que nous avons le contrôle de Clank sur la planète Orxon qui est tellement polluée que le pauvre Ratchet ne peut pas sortir de son vaisseau et qu'on nous demande un Max O2, un masque, parce que un Max, je vois votre comment, un masque O2, donc rappelons que O2 c'est l'oxygène, hein. Enfin plus exactement le dioxygène pour les chimistes que vous êtes. Alors évidemment là le vendeur gadget trop, mais bon je peux pas l'utiliser. Parce que je rappelle qu'avec triangle c'est l'accès au... C'est l'accès à ce truc au contrôle des En fait j'ai dit ce truc parce que je ne soutenais même plus si on avait déjà contrôlé les mini robots ou pas. Non c'est bon, on les avait eu dans la station spatiale, dans la station Blarg, hein. La station STB je rappelle. Alors du coup musique un petit peu... Un petit peu de zone désolée. Disons que là cette musique elle me rappelle un tout petit peu. Alors là vous voyez il y a des caisses en face mais je peux pas y aller, c'est trop loin. C'est trop loin. Voilà. Donc du coup allons par le chemin qui nous est accessible, c'est à dire là. Alors il y a un truc quand même qu'il faut se rendre assez compte, c'est que on commence déjà à rapprocher de la fin du jeu. Au niveau scénario je parle. Alors là il y a un ennemi là qui me bloque l'accès, mais c'est pas une bonne idée d'y aller parce que c'est presque impossible de passer. Hein. Là, franchement, là je me fais avoir direct, c'est pas la peine. On va plutôt aller faire un petit tour par là. Oh un espèce de crapaud gluant là. Viens là. Viens. Mais viens. Putain mais le truc il m'ignore complètement là. Ah mais je te jure gros lol. Alors là ce petit truc c'est assez sympa, c'est que... Youhou, téléportation. Alors vous demandez peut-être l'intérêt, mais vous allez vite comprendre. Un mini robot. Les mini robots ne peuvent pas grimper, mais tu peux utiliser la commande entrée pour les envoyer dans les robots téléporteurs. Voilà, je pense que vous avez compris. Eh ben oui, c'est que ces petits robots, contrairement à nous, ces petits robots, ils peuvent pas sauter. Mais, tu crois que t'allais m'avoir? Eh oui. Personne n'a eu l'idée géniale de leur attribuer à la fonction saut. Donc bah du coup, bah il faut les faire aller dans le petit téléporteur. Sauf que s'il allait... Ok. Tu es coincé. Je vais le mettre en attente, je vais me mettre là, je vais lui demander de me suivre, voilà. Franchement ça se bloque pour rien ces trucs, voilà, hop. Par contre vous avez vu aussi, ils se mettent en attente quand je descends et qu'ils peuvent pas me suivre, ils se mettent en attente automatiquement. Donc c'est juste un petit peu problématique, c'est que du coup je dois réactiver la commande de suivi. Et je vais aller les faire attaquer à ma place, tiens. Ok. Voilà. Bon là pareil ici c'est un cul de sac. Donc on va retourner par là. J'ai 3 robots, ça doit être ça normalement. Allez, utiliser téléporteur pour bon, je peux l'utiliser aussi, c'est toujours aussi fun. Hop. Venez, et c'est donc eux qui vont attaquer l'espèce de scorpion là. Ouais il est là, l'espèce de scorpion à ma place. Parce que au moins... D'accord, normalement il y en a toujours un qui se fait détruire. Il y en a toujours un qui se fait attaquer normalement. Et ben là, le scorpion il a rien vu venir. Je vois que je peux monter par là, mais est-ce que ça sert? Déjà si la caméra elle voulait bien se mettre un poil mieux. Ouais, regardez, il faut aller là. Je crois qu'on peut oublier. Là, il y en a un qui s'est bloqué. Merde, j'ai passé un message de la systoline. Bon, tant pis, je vais aller les faire attaquer. Bah, de toute façon, les messages de la systoline, je crois que si je vais dans l'aide. Oh là, journal. Voilà. Bah oui, en fait, ça m'explique que je dois. D'accord, d'accord. Donc là, vous voyez, ce sont tous les derniers messages qui ont défilé sur la systoline. Donc ça peut toujours servir. Hein. Putain, c'est vieux ça comme message. Alors, vous voyez, il nous parle des magnétibots. Donc là, c'était juste pour nous dire de faire entrer les robots là-dedans. Merci, je suis pas con, on l'avait déjà remarqué la dernière fois.
Voilà. C'est juste un peu con que quand on les fait entrer dans le truc, ben on les perd. Et on les perd définitivement en plus, hein. C'est-à-dire c'est pas la peine de retourner à la plateforme où je les avais... Ah putain. À la plateforme où je les avais ramassés, ils ne seront pas réapparus. D'accord, il m'a même pas touché. Vive les bugs, hein, comme on dit. Ou à moins que c'est parce qu'il était pas tout à fait sur moi, c'est pas impossible. Parce que bon, des fois je dis que ça bug, des fois je dis que ça bug, mais c'est peut-être pas tout à fait un bug des fois. Bon là il y en a un là, mais je sais pas trop à quoi il sert. Là ici, bah je peux rien faire non plus. Ah, deux petits robots. Bon, je vais aller quand même les faire attaquer le scorpion, on verra bien. Hein. Ah voilà, vous voyez quand je vous disais qu'il y en a toujours un qui se fait détruire normalement. Mais en fait ça a servi bah à que dalle. Voilà. Et ça la vérité c'est que ça a servi à que dalle. En faudrant qu'on m'explique l'intérêt de cet ennemi. Hein. Bah alors, allez attaquer. En fait le truc c'est quand vous les mettez en commande d'attaque, ils peuvent pas trop s'éloigner de vous. Et de la même manière, si vous activez la commande d'attaque et que le jeu considère qu'ils sont trop loin de l'ennemi, bah ça marche pas. Alors on va tout faire péter. D'accord, ces mini-robots sont cons. Ah, je te jure. Ils sont restés à côté de la caisse. Donc tu m'étonnes qu'ils sont morts. C'est pas grave, ici on va libérer tout ce beau monde parce que là on va en avoir un petit paquet. Et vous allez voir qu'au niveau du nombre de robots qu'on peut contrôler, ça va. Hein. Je ne sais pas où se trouve la limite, hein, mais... Enfin, en même temps, faut dire que scénaristiquement, c'est calculé pour que vous ayez tel nombre de robots à tel moment. Donc si par exemple, on disait que la limite est à 10 et qu'à aucun moment du scénario, on vous en fait prendre plus que 10, ouais, bah, forcément, vous rencontreriez pas de problème. Donc là, en tout cas, 6 en même temps, pas de problème pour Clank. Oh putain, oh, éloignez-vous, éloignez-vous. Restez pas à côté de la bombe. Par contre là, 6 contre 1. Ah bah, on va déjà regarder, on va déjà les perdre. Il va falloir les mettre là pour ouvrir la porte. Ils sont où? Je les voyais pas. En fait, ils se confondaient avec les boulons qui traînaient encore au sol. Bon, allez dans le, allez faire un tour dans le téléporteur si j'y suis. Maintenant, ouvrez-moi la porte. J'en ai fait traîner un. Ouais, bon, il nous ordonne tout de suite, mais bon, franchement. Alors ici, je vais les mettre en attente là, derrière cette porte, puisqu'il va falloir que j'aille moi-même faire le tour. Voilà, et en venant ici, je vais pouvoir leur ouvrir la porte. Alors ici, je crois que... Ouais, c'est ça. Éloignez-vous de la bombe! Là, il y a un boulon là que j'ai pas ramassé. Des fois, ils viennent à nous plus facilement que ça, hein. Voilà ici des bombes que je peux pas faire sauter parce que bah avec Clank j'ai pas accès aux armes. Tiens d'ailleurs c'est marrant. Et quand je suis là les commandes de mini-robots marchent plus. Bon d'accord la portée. Je pensais que la portée était quand même moins limitée que ça. Donc ici il faut que je m'arrange pour que les petits robots soient sur le bouton. Je les mets en attente. Ce qui va me permettre de passer. Ah par contre ils ont pensé à mettre une caisse explosive de ce côté. Permettrait en fait de revenir au cas où. Tout simplement. C'est fait pour pouvoir revenir en arrière au cas où je perdrais les robots. Donc ensuite il faut que je me pose sur ce bouton là et que je les fasse venir. Par contre juste un truc. J'ai vu qu'il y avait des boulons de l'autre côté qui se sont pas ramassés donc je les prends. Il y en a encore là. Parce que vu qu'on crève un petit peu après pour... Parce que je rappelle quand même qu'on doit quand même choper 150 000 boulons pour acheter le TULT. Si vous vous souvenez. Alors avec mes 14 000 gros lol quoi. Allez m'attaquer ça avant que je me fasse attaquer.
T'as le temps que je donne l'instruction, il allait m'attaquer le machin. C'est pire qu'avec le sélection rapide, quoi. Allez, utilisez téléporteur. Moi, je vais me faire les caisses qui sont là. Il y a eu un tout petit bug. Clank a accroché ses pieds sur le bord de la plateforme. Ah, encore un robot là. Alors, toi tu vas venir ici le petit au lieu d'aller tout seul. Je vais te mettre en attente. Donc là on en a 5 hein, déjà. Donc là on va monter là. Regardez, encore 6 à perdre pour... Oh, ici. J'aime bien faire ça. C'est évidemment indispensable de détruire toute la rangée pour pouvoir... Pour pouvoir faire venir les petits robots, voilà, j'ouvre la porte et je donne l'instruction de venir. Bon, vous, je vous entrez dans le téléporteur pendant que je libère celui-là, hop. Alors, ouvre-moi la porte. Pendant que je casse tout. Alors on arrive dans une espèce de... Ah bah, il me semble qu'on le voit dans la cinématique de Drake, ce labo. Alors par contre je vois que je peux aller par là, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais bah non, ça sert à rien en fait. Oh, regardez-moi ça. Eh non. Tu ne peux pas détruire les caisses, Clank, c'est pas possible. Ah, ça c'est intéressant. Les magnétibots te permettent d'escalader des surfaces recouvertes d'un métal spécial. Mais celle-ci semble beaucoup trop grande pour toi. Oh mais t'inquiète pas, j'ai un pote qui sera assez grand. J'ai un pote, c'est un lombax, tu vois. Alors là, on voit qu'on pourrait redescendre vers le vaisseau, on a la plateforme là. Mais avant, il y a un petit truc à aller faire par là, donc on va en profiter. On va faire les choses bien, vous voyez. En tout cas, les magnétibots, vous l'avez compris, ça me permettra de faire la dernière phase de Batalia. D'ailleurs, je pense que si j'ai le temps, après on ira peut-être faire ça, tiens. Alors c'est reparti pour les petits robots. Alors attention, il y a des bombes de partout. Là en face, vous pouvez voir qu'il y a un... Si on le voit bien. Bah, je vais vous dire tout de suite ce que c'est parce qu'on le voit pas bien. Je vais me rapprocher. Alors attention aux bombes, putain, il y a des caisses explosives de partout. Viens là, mon petit. Voilà. Donc on récupère deux autres robots. Donc comme d'habitude, on continue d'éviter les bombes. On longe, il suffit de longer sur le côté et ça va normalement. Normalement c'est pas un problème. Alors ici on est plus près de l'objet brillant, donc je vais vous montrer ce dont il s'agit. Attendez, c'est vrai que j'oublie cette touche. Ouais, sauf qu'avec la visée première personne, bah c'est de la merde. Bah bon, je pense que là vous avez bien vu que c'est un boulon en or. Voilà, mais sauf que pour l'instant on peut pas le prendre. On peut pas. Par contre il y a un truc de bizarre dans le... Ah, je veux pas tourner la caméra. Ouais, c'est étrange. Oh, je suis trop près là. Bon, ça va. On continue. Donc j'ai combien de robots là? J'en ai 6. Encore. Encore une fois, j'en ai 6. Ah d'accord. Bah, il y en a deux qui étaient à la traîne. Alors on arrive là. Alors ici ça va être un petit peu chiant. Parce qu'il va falloir suivre les bons chemins. Sauf que je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des espèces de boules de feu là.
Le problème, c'est toujours que les petits robots... Parce que moi, je pourrais tracer direct, mais les petits robots peuvent pas sauter. Donc, bah, du coup, je suis obligé de faire un chemin où ils peuvent me... De prendre un chemin où ils peuvent me suivre. Sauf que, du coup, faut faire attention, parce que comme ils se bloquent très facilement sur le bord... Putain, strike! Génial! Objectif, là, il faut que j'aille retourner chercher, hein, lol. Parce qu'évidemment, ils vont pas revenir tout seuls, hein. Il faut que je revienne pour aller les chercher, génial. Non mais c'est le strike là. La boule de feu elle a fait un strike. Là moi en plus je prends des risques en passant en plein milieu du champ de mine. Enfin du champ de mine, c'est plutôt un champ de bombardement. Putain, ils sont en mode attente en plus. Allez viens. Ensuite il faut que je reprenne les deux là. Et les trois autres au pied du boulon en or. Alors, là, normalement les deux autres vont revenir aussi. Voilà, impeccable. Bon, bah on recommence. Et cette fois, je vais essayer de faire un peu plus gaffe. Et bon, j'ai tout le monde. On y va. Putain, quand je fais c'est bon, j'ai tout le monde, j'ai l'impression de balader un groupe d'élèves, quoi. C'est Professeur Clank. Ouais. Le prof Clank et ses élèves. Alors il faut que je me mette là et que j'attende du coup. Je vais attendre par sécurité. Voilà. On suit. Et ouais, j'en ai un qui a failli se bloquer. Bon. Je passe par là, mais je vais attendre le passage de là. Voilà, on suit. Alors, je vais vous mettre en attente là 2 secondes. Je vais quand même aller chercher les caisses. Oh putain, c'est pas passé loin. Alors, ensuite, c'est quoi le chemin? Ok, donc les robots venaient avec moi. Ok, ça va. C'est pas la mer à boire. Et venez, venez. Normalement là c'est bon. Venez, venez ici. Voilà, je vous mets en attente là. Y'a rien d'autre. Bon, c'est ok. Voilà, alors les robots je les reprends. Donc ici pareil, essayez de marcher le plus au milieu possible pour que les robots se bloquent pas. Parce qu'ils peuvent pas facilement se bloquer sur les rebords quand ça tourne. Et quand ils se bloquent, bah ils se mettent en mode attente et après vous devez retourner les chercher. Bon par contre normalement ils peuvent pas tomber dans l'acide. Normalement ça, il y a un mur invisible qui... Enfin, eux ils ont un mur invisible qui les empêche de tomber. Bah mais restez pas à côté. Voilà et on va... déverrouiller la porte. Ah les scorpions. Alors par contre ce que j'aime bien c'est que... Regardez, ça a l'air de gros monstres assez un peu agressifs, bah, même pas en fait. Regardez, ouais ouais ils viennent pas sur moi. D'accord, je suis nul comme un manche à balai. Bon tant pis, je mets en mode attaque. D'accord, le mini robot a activé la caisse pour moi. Je savais même pas qu'il pouvait le faire, vous voyez. Alors soit c'était fait exprès, soit c'était un hasard, c'est possible. Après tout, ils ont une hitbox. Bon, tant pis, je vais l'attaquer quand même, ça va me faire des boulons. Voilà, je reconnais que j'ai surtout attaqué pour l'argent. En même temps, quand on vous demande 150 000 boulons pour acheter un lance-missile. Alors que vous peinez à avoir 10 000 boulons. Oh putain! Il y en a détruit un. Oh non, il y en a détruit qu'un, hein, ça va. Je croyais qu'ils avaient réussi à en détruire 2 en même temps. Je disais putain quoi. Ça aurait pas été impossible. Donc là je suis à 5. Allez, attaque s'il te plaît. Je crois qu'il y en a un qui s'est fait détruire. Hein. Ouais, j'en ai plus que 4. Oh non, il y en a un là-bas. Ah là il s'est fait détruire.
Je dois me rassembler les autres. Parce que là, vous voyez, il m'en met plein, hein. Là, c'est la fête au village. Ouais, c'est pas du jeu, ça. Tu les as attaqués dans le dos alors qu'ils se contentaient de me suivre. Est-ce qu'il y en a encore là-bas? Ouais, il y en a encore là-bas. Venez. Il faut que je les recompte maintenant. Il faut que je recompte mes élèves maintenant. Bon, ben, j'en ai 6. Tout va bien, enfin, je crois. Parce que là, du coup, c'est que je les ai pas trop comptés en ouvrant les capsules. Mais pourquoi il y en a un là? Bon, ça fait 7. Regardez, regardez, là on voit la capsule dans laquelle je voulais les faire entrer. 10. Eh oui, j'avais pas dit 10 au hasard tout à l'heure, hein. Je savais que c'est parce qu'à un moment il fallait en contrôler 10. Je sais même pas si je les ai tous là. 1, 2, 3, non si je crois que c'est bon. Ok. Oh ma poule, on a combien de temps? 22 minutes. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait que dalle. Bah si, j'ai quand même pris les magnétibots. Mais putain, des fois ils m'empêchent de passer. Allez, c'est parti. Ah, allo Houston, on a un problème. Alors, où il est? Sûrement un qui s'est fait détruire et que j'ai pas fait gaffe. Ou Justin qui s'est bloqué comme un con. Merci. En fait, j'étais de l'autre côté du mur et comme il cherchait à me suivre, ben il a pas pensé à faire le tour, cet andouille. Ah, je te jure, mais crétin. Va. Là. Ok. Bon, j'ai pas seulement ouvert la porte. Hein. J'ai activé ce machin aussi. C'est gros quand même. Je pensais pas que c'était aussi gros, vous voyez, j'avais jamais pensé en fait à faire un demi-tour à la caméra pour regarder la taille de la tourelle. Bah maintenant, c'est fait. Voilà, et qu'est-ce qu'on récupère? Un info-robot. Pourvu que Ratchet ne voit pas celui-ci. Ok. Donc nous savons que nous avons récupéré un info-robot pour la planète Pokitaru, mais on ne sait pas le contenu de l'info-robot. LOL. Alors j'aime bien, j'ai pas descendu l'ascenseur tout à l'heure, mais maintenant il remonte tout seul. Comme un grand. Oui, parce qu'évidemment, selon qu'on est en haut ou en bas, l'ascenseur, il va automatiquement là où il faut. Gantron dans le... ouais, ok, normalement c'est... Bon bah on y va. Hop. Oh. Hey, mais dis donc, tu lâches l'affaire, oui? Elles sont magnétiques, il m'est difficile de m'en séparer. Ah oh. Oh. Dis donc, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Fil. Ferraille. Poussière. Non, tu sais ce que je veux dire. Allez, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer, mais promets-moi de rester concentré sur notre mission. Est-ce que ça concerne Quark? Qui dit ville dit brouillard, qui dit marécage dit boue, et qui dit puits de pétrole dit pétrole. Mais qui dit station de Hawaï dit soleil 24 heures sur 24. Pour explorer les eaux chaudes, nous offrons un masque rondu à nos clients. Découvrez la douceur de la vie marine dans un monde sous-marin bleu azur. Vous pourriez aussi chausser vos palmes gratuites pour participer à une course de natation. Alors venez tous à la station Jowai pour oublier vos soucis et changer d'air. La station Jowai sur Pokitaru. Je le savais. Oh allez quoi, déconnecte tes circuits et lâche-toi un petit peu. Écoute, allez, on y restera juste le temps de dégoter le masque O2, je te promets. Peut-être l'excès d'oxygène aidera-t-il ton cerveau à fonctionner correctement. Et peut-être aussi que l'eau te fera rouiller et que tu la boucleras enfin. Eh ben, on n'est pas arrangé hein, avec ces deux-là. Alors, le truc qui m'amuse quand même, c'est... Station Jowai dit soleil 24 heures sur 24. Il fait jamais nuit sur cette planète. Il y avait un petit problème. Un petit problème de nuit.
Plein soleil, même pendant la nuit. Alors bon, du coup, vous voyez qu'on peut aller sur Pokitaro. D'ailleurs, Pokitaro, vous le voyez, hein, donc maintenant... En allant faire un petit tour sur Pokitaro, on pourrait récupérer un masque 2 qui nous serait bien utile pour explorer Orxon entièrement. Sinon, je peux toujours aller sur Gaspar qui est en attente. Mais là, vu le temps, je suis à 27 minutes. Je pense que je vais me diriger vers Batalia. Où je pourrais faire la partie dans laquelle on avait besoin des... on avait besoin... Putain, ça gratte. J'ai un truc qui gratte. Qu'on a besoin des... ah merde, des Manity Bots. Allez, c'est parti. Allez, on se dépêche. Alors, non, par contre, les ennemis, je fais que passer, je fais que passer. Ah oui, par contre, c'est vrai, on m'avait dit dans les commentaires, j'avais oublié. Alors, puisque j'y passe, autant y aller, hein. J'avais pas juré de faire un 100%, mais bon, vu qu'on me le dit, autant aller faire un petit tour. Eh, j'avais oublié ça. Avec toujours le déclencheur hein, un peu bizarre. En fait, autour du boulon en or, il y a une espèce de zone qui indique, enfin, qui l'espèce de déclencheur quand on est à sa portée. Sauf que, en fait, elle est un peu grande la zone. Donc, des fois, quand vous passez à côté, même si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de la plateforme, bah, vous arrivez dessus quand même. Bah, il vous le donne quand même. Regardez, d'ailleurs, on voit un peu la gueule du. Là, on voit le conduit que je vais devoir. Hop, impeccable. Enfin, quand je disais tout à l'heure qu'on approche de la fin du jeu, au passage, on approche, c'est vite dit parce qu'en fait, je me rends compte qu'on est plutôt au milieu du jeu. Mais en fait, après, les choses s'enchaînent assez vite. C'est parti. Donc, les Mighty Bots se mettent. Ok, si on pouvait juste éviter de tomber comme une merde, putain, non mais n'importe quoi. Il est où le pont? Je pourrais pas monter genre truand des jeux et monter comme ça quoi. Hé hé, si on peut. Alors, donc je disais les Magnety Bots s'équipent donc automatiquement dès qu'on marche sur une zone appropriée. Donc c'est parti. Non mais tu te fous ma gueule. C'est quoi ce bordel, y a un bug ou quoi? Alors, par contre je vais retruander le jeu de la même manière et tu crois quoi? Ah là ça a pas marché. Ok, j'ai réussi à le faire une fois, tu vas me dire je vais pas réussir à le refaire. Tiens, je vais plus y arriver, tu vas voir. Tu vas voir que je vais plus y arriver. Ok, tu veux que je fasse le tour? Bah on va faire le tour. Ah mais je te jure. Non mais j'arrive à truander le machin une fois comme ça par hasard et maintenant j'y arrive plus. C'est vraiment du foutage de gueule inside. Bon bah que dire d'autre en dehors du fait que le que les magnétiotes visiblement ça m'empêche pas de tomber du conduit. Donc c'est que je n'ai accès à aucune arme. Regardez, même le sélection rapide, j'appuie sur le triangle, il se passe que dalle. Je n'ai accès donc uniquement à la clé. Je ne peux pas sauter. Donc être sur cette surface, c'est quand même assez contraignant. Par contre, regardez, franchement, graphiquement, c'est bien géré. La pluie, elle suit. Hein. Même la gravité, regardez comment je suis penché. Non, franchement, c'est super bien réalisé. Ça, il n'y a pas de problème. Ah, mais du coup, j'ai accès qu'à la clé. Par contre, est-ce que j'ai... Oui, j'ai accès à la cométo frappe. Au moins, un truc qui fonctionne. Parce que tu m'expliqueras quelle raison logique fait que j'ai plus accès aux armes. À la limite que j'arrive plus à sauter, ça a de la logique. C'est pas illogique qu'on n'arrive plus à sauter. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai plus le droit d'utiliser mes armes? C'est pas logique ça. Ça vous êtes bien d'accord? Bon, on y va, on se retrouve dans la bâtisse principale.
Par contre, je vais prendre les armes appropriées. Ouais, d'accord, sauf que si je vise comme une merde. Mais je vise vraiment comme une merde. Aspire au canon. Voilà. Ça peut toujours servir. Alors, on va commencer par actionner le croco-boulon qui nous narguait. Le voilà. Donc, on fait apparaître le pont. Comme ça, à l'avenir. Bah, je dis ça, mais activer le pont quand on est de l'autre côté, ça sert plus à grand chose, quoi. Par contre, est-ce qu'il y a un boulon? Non, je crois pas. Non, il me semble pas. Par contre, il y a des caisses. Hé hé, bien snipé là. Alors normalement, voilà, si je me mets là, il y a des tanks qui vont apparaître. Putain, mais c'est pas très puissant le. Putain, je vais crever. Allez, dévastate. Non, merde. Putain, c'est la merde ça, putain. Si le jeu était frisé quand on avait le select prompt, ça serait pas arrivé ça. Alors je vais mettre le grand ravageur. Ça, ils vont déjà s'occuper de ce robot de merde là. Voilà, c'est fait. Par contre, du coup, je vais remonter pour aller chercher le carré de vie. Hein, enfin, mon unité de nanotech. Le carré de vie, je me croirais dans Super Metroid. Là. Le pire, c'est que je dois refaire tout le tour, quoi. Alors, dévastateur. Hop, voilà, comme ça. T'as deux roquettes pour détruire juste des roues. Il est où le deuxième? T'as 5 roquettes pour un char, c'est abusé quoi. Putain, encore vous. En plus, il y en a qu'un, c'est pas la peine de m'emmerder avec l'aspiro canon. Hein. Mais putain, non, il y en a pas qu'un! Bah alors venez! Putain, comment les trois derniers ont été aspirés d'un coup quoi! Par contre, je vois des caisses là-bas. Eh, s'il y avait au moins une caisse de vie quoi! Mais non, je t'ai pas dit de taper le croco-boulon, je t'ai dit de l'actionner, espèce de boulet! J'ai fait quoi? Un quart de tour et encore! C'est vraiment se foutre du monde. Tiens. Je vous connais, vous. Le plombier de l'espace. Très drôle. Que faites-vous ici, monsieur? De la maintenance, bien sûr. J'aurais percé des fosses anti-aériennes inutiles. Ouais, bah vous feriez mieux de vous dépêcher. La tourelle marche très bien, espèce de petit pignouf. Le problème, c'est les gens. Y'en a pas un qui sait s'en servir comme il faut. Ah, mais moi, je tire comme une bête. Ouais. Non, je risque de perdre mon boulot, alors... Oh, allez, quoi, fais pas ta mijaurée. C'est pas la peine de garder une tourelle si personne s'en sert. En plus, les Blarks vous ont chassé de la dernière planète. Faut leur faire payer, mon gars. Bon, d'accord, vas-y si tu veux. Mais va pas me casser quelque chose, hein. J'aime bien le « la tourelle marche très bien ». Oui, mais c'est tout à fait ça, garder une tourelle inutile. Le plomber l'espace, par contre, j'aime bien. Bon, allez, on va enfin accéder à la tourelle. Enfin, depuis le temps que le sergent fou nous le demande. D'accord. Ok. Donc, en fait, pour rentrer dans la tourelle, il ne faut pas aller sur la tourelle, il faut aller voir le plombier. Mais oui, c'est normal. Bon, bah, c'est parti. Je vais casser du blarg, moi, maintenant. Plutôt du vaisseau blarg. Il y a un truc que... Ah, bah... Eh, j'allais dire, pas complètement dingue, il me semblait bien qu'il pouvait me tirer dessus. D'accord, voilà. Donc là, j'ai un missile qui vient de m'atteindre, je sais même pas d'où. J'avais même pas vu qu'il y avait un vaisseau là. Et le pire, c'est que les missiles sont indiqués sur la carte. Regardez, c'est les points rouges clignotants là. Il y a 4 vaisseaux, visiblement. Regarde-moi quand même ce qu'un missile ça a fait à la vie de la tourelle quoi.
J'ai un missile. J'en ai un autre. Ah, je crois que je l'ai détruit, mais ça a juste pas fait de bruit. Je me demande si ce vaisseau-là est encore à emporter. Voyons les autres. Voilà, et un de plus. Ah, attends, il m'a tiré un missile avant d'être détruit, lui. Ah ouais, en fait, d'accord, les points sont les missiles sont d'abord blancs, puis après ils deviennent rouges clignotants quand ils viennent sur moi. J'ai compris. Ah ouais, d'accord, il faut viser le truc qui tourne, en fait. Merde. Il y a un missile qui m'a atteint, je l'ai même pas vu. Non, parce que c'était derrière. Pourtant, je regarde la minimap, c'est ça le pire. C'est je regarde la minimap, c'est ça le... Maintenant, je regarde. C'est un truc de fou, ça. Putain, enfin. Ah, t'as encore un missile, toi. Oh! Putain, il... Hé, hey, la belle au bois dormant! T'as eu chaud aux fesses et t'as surtout eu de la chance que je vienne te sortir de cette tourelle! La bonne nouvelle, c'est que j'ai réparé le canot! Ouais, mais la mauvaise, c'est qu'il faut tout refaire, juste parce que c'est mal foutu, quoi! Ah, oh, mais je te jure, je te hais, là, je te hais! Regardez, y'a déjà un missile. J'ai même pas eu le temps de me retourner et de le viser, quoi! Mais regardez! Mais là je tire clairement dessus, je détruis pas! Non mais. Là je suis pas d'accord! Et je viens de gagner un point de compétence, je sais même pas comment! Non, ouais, j'ai même pas accès au vrai menu poste. Merde! Mes boulets! Tout ça parce que je voulais regarder c'était quoi ce putain de point de compétence et qu'en plus je peux même pas le voir! Là, le pire, c'est que j'ai même pas accès au menu pour voir c'est quoi la description des points de compétence. Donc j'ai gagné un point de compétence, mais je sais pas pourquoi. Putain, mais fais chier, je suis à 39 minutes maintenant. Et non, c'est vrai, faut aller voir le plombier, pas monter sur la tourelle. Vous trouvez ça logique aussi, vous? N'empêche. J'adore mon petit surnom, hein, la belle au bois dormant. Hein. On va y arriver, je me concentre. Normalement, c'est pas censé casser trois pattes à un canard une mission de ce genre. Un peu de lui. Regarde comment il les tire en arrière, quoi. Oh là, je l'ai eu. Alors celui de droite, il est où? Est-ce que je peux encore l'avoir? Ouais, c'est bon. Oh merde, putain. Non, non, mais j'ai deux missiles là. Bon, bah l'autre il m'a atteint, mais bon. Moi j'avais la vie, je suis parti de la vie pleine, donc c'est pas encore trop là. Putain, regarde celui-là, j'ai... Regarde! Putain, tu vas pas me dire que je tire pas clairement dessus, là! Oh putain, là j'ai eu du bol! Bah maintenant je vais passer plus de temps à détruire les missiles qu'à tirer sur le vaisseau, quoi. Putain, je te hais. Mais je peux même pas passer ça. Oui, le canot réparé. Bordel de merde, putain. Que tu tires sur le missile qui a 5 cm et qui se détruit pas. Ça y est. Ce jeu, enfin, ce jeu, plus ou moins ce niveau a décidé de me rendre dingue. Non, mais y'a de quoi, avouez. Avouez qu'il y a de quoi, putain. Oh. Non mais vous essayez de descendre le missile, le truc inratable.
Mais il reste entier le bazar. À croire qu'il a chopé une étoile dans une étoile de Super Mario Bros, le truc quoi. C'est bonjour, je suis un missile invincible, je vais t'enlever un quart de ta vie. Il y a déjà plus qu'un vaisseau. En fait, c'est le dernier qui pose beaucoup de problèmes. Parce que c'est le plus long à détruire et c'est le machin qui vous envoie 10 000 missiles dans la gueule en même temps. Et surtout, vous avez vu, les missiles ils partent loin avant de vous foncer dessus. Hein. Regardez, regardez, regardez! Ouais, 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 ouais! Il semble être bon à quelque chose finalement! Tiens, prends ça! Kezako! Ça détecte les boulons sous terre! Mon grand-père l'a conçu pour aspirer la petite monnaie sur toutes les planètes de la galaxie! Quel vieux radin celui-là! Bon, allez, salut, à la prochaine! Bonne tête! Maintenant que tu disposes d'un métaux-détecteur, un icône en forme de boulon s'affiche à l'écran chaque fois que tu te trouves à proximité de boulons enfouis. Une fois équipé du métaux détecteur, il t'envoie des signaux t'indiquant la présence de boulons enfouis à proximité. La direction des boulons enfouis apparaît sur le détecteur. Maintiens la touche cercle enfoncé pour activer le dispositif. À l'approche des boulons, les anneaux deviennent de plus en plus rouges et le signal sonore plus rapide. Maintiens la touche cercle enfoncé et une fois au-dessus des boulons, le métaux détecteur les aspirera du sol. Ouais, il y a un petit problème au niveau du dialogue de la... Alors voilà, on est juste venu pour ça. Voilà, le sergent fou nous a demandé de récupérer un détecteur de métaux. Évidemment, c'est l'occasion de s'éclater. Bon, je vous montre un petit peu avant de me barrer. Hein. Ouais, bien sûr. Tombe dans le vide en même temps. Mais oui, c'est parfaitement normal. Bah bon, je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Mais ce truc, je vais pas en servir si souvent que ça, donc je vais même pas le mettre en sélection rapide ou quoi que ce soit. Hein. Là, je suis juste un petit peu le tour parce que le machin est allumé. Voilà, y a plus rien. Y a pas des caisses au fond, par contre. Ah non, je les ai déjà détruites tout à l'heure. Boulet. Ah, c'est parce que comme on les a vus dans la cinématique. Donc ben on s'en va. Putain, 45 minutes, pff, lol. Et dire que je voulais juste meubler 3-4 minutes avec cette mission. De toute façon maintenant Batalia c'est bon, c'est fait entièrement. Je pense qu'on a même récupéré la. On a même récupéré le tous les boulons en or je crois. Par contre il y a un petit point de compétence à faire ici. Mais bon pareil, comme je fais pas le 100%, c'est pas la peine que je m'enquiquine à le faire. Mais en fait, pour avoir le point de compétence, fallait que je fasse le parcours du glissorail en entier sans me faire toucher. Sans prendre aucun dégât. Bon du coup, bah on s'en va. Par contre, je vais quand même regarder au vendeur. Mais... Ah, on a... ah, y a quand même ça. J'ai de super affaires. 15 000 boulons pour un canon visibombe. Mais est-ce vraiment si utile que ça que j'achète? Alors, le canon visibombe, c'est quelque chose d'assez puissant, faut le savoir. Je pourrais que je le prenne quand même, ça m'aiderait. Ben bon, je verrai ça en temps voulu. Ça me serait surtout utile dans la revisite d'Orkson. Non, mais pour l'instant, on va s'arrêter sur cet épisode parce que là, quand même. Donc là, je vais aller au dépôt Blarg de la planète Gaspard. Pokitaru, je ferai après, hein. Donc le prochain épisode ce sera Gaspard et à mon avis ça occupera tout l'épisode parce que ça prend quand même un petit moment à faire la planète. Je me souviens un petit peu qu'elle est un peu chiante par moment. Donc en bref, donc du coup bah on va aller faire un tour sur Gaspard pour récupérer le fameux aérocasque. C'est l'aérocasque pour contrôler les vaisseaux par la pensée, qui marchait pas trop d'ailleurs sur le pauvre cobaye qui en est mort. En bref, donc c'est parti, allons-y. Et puis on s'arrêtera là-dessus.
N'empêche que vous avez pu le voir au passage aussi. Déjà, la cinématique à l'intérieur du vaisseau, il y avait encore une fois un petit problème de taille. Comme si le vaisseau était soudainement trois fois plus grand. Donc la dispute entre Ratchet et Clank, elle est encore plus ou moins d'actualité. Hein. Ouais, voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Donc, prochain épisode, on s'occupera, pendant que mon fil de manette se coince à des endroits improbables. Donc, on s'occupera de cette planète-ci pour récupérer donc le fameux aérocasque. Et puis, après, une fois qu'on aura tout ça, on pourra aller faire un petit tour sur Pokutaru, récupérer le masque O2, ce qui nous permettra de revenir sur Roxxon. C'est un programme chargé, vous voyez. Ah, bref, donc, du coup, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis ciao et à la prochaine.